Nous attendons cette réhabilitation de la voie à Port-Nouveau et Golor il y a très longtemps. Parce que c'est une voie qui causait d'énormes accidents et le cri de cœur de la population a été entendu par le président de la République. Nous tenons fortement à le remercier pour tout ce qu'il fait pour le pays. Et c'est toute la population d'Ifani qui est en joie pour avoir pris cette décision prise en Conseil des ministres. Et ça, la voie, son état crée d'énormes accidents. Ça, c'est le premier problème que ça va résoudre. Ça va aussi faciliter le voyage, la circulation des populations. Et nous le remercions aussi pour la voie Aïta et Golor, parce que lors de ces deux passages à Ifani en 2021-2022, il a dit de considérer toutes nos doléances comme réalisées. Et nous sommes en train de constater, la population prie pour lui. Lui-même l'a dit que de le laisser faire et après on pourra dire s'il est à Gbono ou pas. Nous sommes en train de le dire déjà qu'il est à Gbono parce que nous sortons tout ce qu'il fait dans Port-Nouveau, à Cotonou, dans toutes les villes du pays. Nous tenons sincèrement à le féliciter et à le remercier parce que ce n'est pas un président qui dit « cette zone n'a pas fait pour moi, je ne vais rien réaliser là ». Il est en train de faire, c'est la preuve qu'il connaît vraiment le pays. Nous le remercions encore une fois.